Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vous réponds à vos questions que j'ai lancées sur ma FAQ. Donc j'ai toutes les questions sur mon téléphone, je suis descendue tout en bas. Et donc c'est parti, j'espère que la vidéo vous plaira. Je vais essayer d'être assez rapide pour pas que la vidéo dure trop longtemps, mais assez claire dans mes réponses. Donc c'est parti avec la première question de Lady BB2G. Alors je suis désolée si je prononce mal vos pseudos. Hello ma belle. Alors ma question est, quels sont tes objectifs à long ou court terme dans la vie et sur YouTube? Alors par rapport à YouTube, c'est vrai qu'il y a plein de projets de vidéos que j'aimerais faire, mais il y a des projets qui nécessitent un meilleur matériel, donc une meilleure caméra, un meilleur micro, tout ce genre de petites choses là. Et dans ma vie privée, bah, ça serait déjà d'arriver à trouver un boulot. Ça serait déjà pas mal. Et voilà. Après, j'ai d'autres choses, mais bon, je prépare un peu les gars aussi pour moi. Ensuite, donc, merci pour tes questions. Question de Chanel Petite Enfance. Coucou poulet, donc coucou à toi. Aimes-tu lire? Quelles sont tes passions hors YouTube? Es-tu en couple? As-tu des animaux? Ton plat préféré, thé ou café? Voilà, bisous. Alors bisous à toi aussi. Alors est-ce que j'aime lire? Ça dépend. Je m'explique. Vous savez, normalement à l'école, enfin moi au lycée plutôt, on avait des livres à lire. Pour le cours de français, on avait des livres à lire. Les livres, si j'avais pas envie de les lire, je les lisais pratiquement pas. J'en ai fini aucun. Voilà, je suis honnête, j'en ai fini aucun. Mais ne faites jamais ça. Mais par contre, si je vois que le résumé donc là, de la quatrième couverture du livre me plaît bien, et ben le livre, j'aurai plus de facilité à le lire. Ensuite, quelles sont mes passions hors YouTube? J'ai le scrap, j'ai le vernis, j'ai le make-up. J'ai... qu'est-ce que j'ai d'autre? Disney également. Donc voilà, tout ça. Est-ce que je suis en couple? Oui, depuis 2 mois, au moment où vous voyez cette vidéo. Est-ce que j'ai des animaux de compagnie? Oui, j'ai un petit chien, enfin un chien. Mon plat préféré, je dirais le gratin dauphinois. Pas très diète, mais bon, voilà. Thé ou café? Alors, quand j'étais petite, j'étais plus café. Mais maintenant, je dirais que je suis un peu des deux. Voilà, je suis pas chiante du tout, je suis un peu des deux. Ensuite, question de Volvic. Hello, j'ai mis un petit like. Question, alors, quels sont tes réseaux sociaux préférés? Comptes-tu faire des vlogs? Alors mes réseaux sociaux préférés sont Instagram et Snapchat, malgré que actuellement je ne suis pas très présente sur Snapchat parce que mon téléphone a décidé de ne plus vouloir me mettre Snapchat. Voilà, si je veux Snapchat, j'ai plus d'autres applis. Voilà. Et est-ce que je compte refaire des vlogs? Alors oui, il y a un vlog qui sort très bientôt sur ma chaîne. Ça fait à peu près 1 an que je n'ai pas fait de vlog en fait. Donc voilà. Ça fait 1 an, donc du coup là, il y a bientôt un vlog qui va sortir. J'espère qu'il vous plaira. Donc voilà. Ensuite, donc merci pour tes questions. Question de Jacques. Jacques. Bonjour, avec quoi te matricules de... Au revoir. Donc ensuite, question de Jacques. Bonjour, avec quoi te maquilles-tu? Au revoir, Jacques. Donc je me maquille, bah ça dépend. Comme là, vous voyez, là je ne suis pas du tout maquillée parce que je laisse au maximum ma peau respirer. Mais en général, c'est fond de teint ou bébé crème, poudre, correcteur, blush, un peu de bronzer de temps en temps, mascara, fard à paupières, rouge à lèvres ou baume à lèvres. Voilà, tout simplement. Si vous voulez que je vous fasse ma routine make-up, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, question de histoire de vie. Donc ma petite Léa, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Alors, j'ai perdu les questions, c'est bien. Alors, pour ta FAQ un peu de Disney, ton Disney préféré, La Belle et la Bête et le Roi Lion. Ton perso Disney préféré, Belle. Es-tu déjà allé à Disneyland Paris? Non, mais j'aimerais beaucoup y aller. Aimerais-tu faire des make-up sur le thème de Disney? Alors pourquoi pas, faut juste que je m'entraîne avant de vous le filmer. Mais pourquoi pas, ça peut être un bon sujet de vidéo à faire. Donc je te remercie ma belle pour tes questions. Ensuite, question de Laure LVB. Coucou, tes défauts et tes qualités, depuis quand es-tu sur YouTube? Bisous. Alors bisous à toi aussi. Alors mes défauts, je dirais je suis têtue, bornée, rancunière. Et mes qualités, gentille, serviable et polie. Voilà, on va dire ça.
Depuis quand je suis sur YouTube, alors là je pourrais pas vous dire parce qu'en fait c'est bête hein, mais je confonds en fait le moment où j'ai créé mon compte pour commenter des vidéos, m'abonner à des chaînes et le moment où j'ai commencé des vidéos. Donc si je retrouve la date, je vous mettrai la date en barre d'infos. Donc voilà. Donc merci pour tes questions. Ensuite, question de TheBeauty09. Coucou, donc coucou à toi. Voici les questions pour ta FAQ. Alors, aimerais-tu rencontrer des personnes que tu as connues grâce à YouTube? Alors oui, il y aurait Marion, donc ma petite Marion. Emeline, il y aurait Héloïse. Il y aurait Anaïs Gaga 59, anciennement sur YouTube. Et voilà, il n'y a que ça qui me vient comme nom en tête actuellement. Et Andrea. Aussi, voilà, ce sont 5 personnes que j'aimerais beaucoup rencontrer. Depuis combien de temps connais-tu ta meilleure amie? Ton meilleur souvenir avec elle? Alors, Estelle, ça va faire 4-5 ans qu'on se connaît, depuis 2015, en quelque sorte, donc voilà. Et mon meilleur souvenir avec elle, en fait, j'en ai pas qu'un. C'est ça le truc, c'est que pratiquement chaque fois qu'on se voit, comme la dernière fois que je l'ai vue, bah, ça fait un souvenir avec elle. Donc, voilà. Donc, à chaque fois que je la vois, en fait, c'est un souvenir. L'amitié signifie quoi pour toi? Voilà, bisous. Alors, bisous à toi aussi. Alors, l'amitié, ça signifie pour moi déjà être là pour votre meilleur ami, fille ou garçon. Que ce soit dans les bons moments comme dans les mauvais moments, que vous allez bien ou pas bien. L'amitié, c'est aussi partager, quand vous partagez un secret avec votre meilleur ami, encore une fois, fille ou garçon, que la personne le garde pour elle. Voilà, c'est tout un tas de petites choses en fait comme ça. La confiance aussi, pour moi c'est très important, même dans une relation amicale. Et voilà, et savoir se dire les choses aussi. Donc voilà, donc merci pour tes questions. Ensuite, question de Sautessa. Coucou, alors du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ta chaîne? Tu aimerais avoir des enfants, te marier, tu imagines ta chaîne comment dans 5 ans? Bisous, donc bisous à toi aussi. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de lancer ma chaîne YouTube tout simplement? C'est que je regardais des vidéos déjà sur YouTube, donc des anciennes youtubeuses, enfin des grandes youtubeuses au jour d'aujourd'hui. Et je me suis dit en fait tout simplement, pourquoi pas moi, pourquoi pas essayer, donc voilà. Et pour vous dire, ma première vidéo, je l'ai filmée au moins 4-5 fois avant de la poster. Donc voilà. Ensuite, est-ce que j'aimerais avoir des enfants? Oui. Me marier, je suis entre les deux encore, je suis mi-molle. Et comment j'imagine ma chaîne dans 5 ans? Alors là, je pourrais pas vous dire, si je suis toujours en train de partager ce que j'aime avec vous, c'est ce qui me fera plaisir en fait dans 5 ans. Que ce soit dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça sera toujours ça. Donc voilà, donc merci pour tes questions. Donc ensuite, question de Héloïse Lamour. Coucou ma belle, mes questions sont: qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer ta chaîne YouTube? Alors ça, je l'ai dit, c'est le partage. Quand j'ai vu d'autres youtubeuses, donc les grandes youtubeuses le faire, je me suis dit pourquoi pas moi. Et voilà, et l'envie de partager, je sais pas si j'ai déjà dit. Quelle est ta youtubeuse préférée? Alors ma youtubeuse préférée, j'en ai pas qu'une, donc j'ai ma petite Marion. J'ai toi également. J'aime beaucoup Auria aussi. J'aime beaucoup, comment elle s'appelle? Je vois sa tête mais j'ai plus son pseudo YouTube. C'est grave. Marion Beauty B aussi. Et voilà, si j'en trouve d'autres, je vous les remettrai en barre d'infos. Mon youtubeur préféré, alors je sais pas si on peut considérer ça comme un youtubeur, pourtant ils sont plusieurs, c'est un groupe de youtubeurs on va dire. C'est la Sega Digital Production, donc ça fait un moment que je vous ai pas parlé de cette chaîne. Mais voilà, d'ailleurs n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur chaîne, ils ont un prochain court métrage qui va sortir. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, ma marque de make-up préférée, favorite du coup, je dirais Essence et Kiko. Ta crème de jour et nuit que tu préfères et celle que tu détestes? Alors je n'ai pas testé, s'il y avait celle de chez Diadermine, je crois que j'ai testé une fois que j'avais pas trop aimé. Sinon, en celle que j'aime, je dirais Nivea pardon, et Yves Rocher. Et là, je vais bientôt en tester une de jour et une de nuit justement de la marque Sian, donc je vous en reparlerai très prochainement. C'est tout bon, donc bisous à toi et merci pour tes questions. Ensuite, question de Lydie. Coucou, mes questions sont: quel est ton indispensable make-up et quel est ton produit make-up préféré? Voilà, bisous ma belle, donc bisous à toi aussi. Alors, mon indispensable make-up, je dirais un mascara ou un baume à lèvres. Je cherche le mot, un baume à lèvres. Et mon produit make-up préféré, je dirais une BB crème.
Donc voilà. Ensuite, donc merci pour tes questions. Ensuite, question de ma petite Marion. Donc pareil, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Coucou ma belle. Alors, mes questions. Si tu devrais améliorer quelque chose sur ta chaîne, ce serait quoi? As-tu fait des rencontres sur YouTube? Tu te vois comment sur YouTube dans quelques années? Ta marque de maquillage favorite? Voilà pour l'instant, bisous. Donc bisous à toi aussi. Alors, ce que j'aimerais améliorer sur ma chaîne déjà, c'est la qualité par rapport à ma caméra, des éclairages et un nouveau micro. Voilà, déjà ça, je pense que ce serait pas mal, ça fera un bon budget déjà. Et changer d'ordi, enfin avoir un nouvel ordi pour avoir un bon logiciel de montage. As-tu fait des rencontres grâce à YouTube? Alors j'y fais des rencontres, on va dire, virtuelles pour l'instant. J'ai pas encore rencontré les personnes en vrai. Ce que j'aimerais beaucoup, donc c'est exactement les mêmes personnes que je vous ai dit précédemment. Donc toi, ma petite Marion, Héloïse, Emeline, Andrea, etc. Ensuite, comment je me vois dans quelques années sur YouTube? Bah, tant que je suis là à vous partager ce que j'aime, tant que ça me passionne toujours autant, bah, je continuerai. Donc dans quelques années, je me vois toujours en train de vous faire des vidéos. Bon, peut-être plus dans le même décor, mais voilà, toujours vous faire des vidéos. Et ma marque de maquillage préférée, Essence et Kiko. Donc voilà, ma belle, je te fais des gros bisous. Ensuite, question d'Aurélie. Donc Aurélie, c'est une connaissance que j'ai depuis quelques mois, on va dire. Donc, coucou, comment as-tu l'idée d'appeler ta chaîne Natural Life by Chloé? Alors en fait, c'est avec une amie à moi, je voulais changer mon nom de chaîne, parce que mon ancien nom de chaîne c'était La Miss Makeup, et je voulais changer en fait, je n'aimais plus du tout en fait ce pseudo, je ne pouvais plus. Et du coup j'en ai parlé avec une amie, et c'est elle en fait, c'est une amie à moi qui me l'a trouvé, donc ça passe par là, je lui fais des bisous, je la remercie encore de m'avoir trouvé ce pseudo. Et donc voilà, tout simplement, comment tes idées te viennent pour faire tes vidéos? Alors, tout simplement, bah, en ouvrant mes tiroirs, en regardant sur YouTube, en regardant la télé, en regardant dans la vie de tous les jours, voilà. Tout simplement, comment j'essaye de trouver mes idées de vidéos. Aurais-tu envie de faire d'autres vidéos sur d'autres thèmes, hormis la beauté et le make-up? C'est tout pour le moment, un dernier bisou, j'adore tes vidéos. Bah, bisous à toi aussi, et merci, c'est très gentil. Alors oui, comme vous avez pu le voir, depuis un certain temps, j'essaye de mettre du Disney sur ma chaîne, parce que Disney, comme je disais, c'est un univers que j'adore. Donc j'essaie d'inclure du Disney, et après voir si je vous fais des vidéos sur tout ce qui est loisirs créatifs, scrapbooking. Ça je verrai, parce que je suis pas encore experte, donc je préfère mieux attendre. Donc voilà pour ça. Ensuite, question d'Hélène Cooking. Coucou, voici mes questions pour ta FAQ, ton magasin pas cher chouchou. Comptes-tu faire une journée dans mon assiette et où Instagram contrôle ma vie? Voilà, bisous, continue. J'adore ce que tu fais, donc merci, c'est très gentil. Alors, mon magasin chouchou pas cher, je dirais Action. Et est-ce que je compte faire une journée dans mon assiette et où Instagram contrôle ma vie? Alors, une journée dans mon assiette, oui, c'est prévu que je vous fasse ça très bientôt. Et Instagram contrôle ma vie, c'est pas exactement ça que je vais faire. C'est pas Instagram contrôle ma vie, mais c'est autre chose. Donc, vous verrez ça très bientôt sur ma chaîne. Donc, voilà. Ensuite, question de Gourmandise, L-A-L-Y-A. Alors, coucou ma belle, quel est ton pire défaut? Je suis très rancunière. Mais je suis très 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 rancunière. Et fais-tu du sport? Alors le sport c'est un peu compliqué pour moi, on va dire. Je peux pas faire n'importe quel sport parce que j'ai un souci en fait au niveau de mes deux rotules. Voilà. Et donc c'est pour ça. Mais on va dire que j'en fais de temps en temps. Voilà. Donc merci pour tes questions. Et voilà, je vous ai passé toutes les questions que j'ai eues pour le Shares the Love. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci mille fois pour toutes vos questions. Voilà, j'essaie d'y répondre le plus sincèrement possible. Si il y a des réponses que vous n'avez pas semblé très très claires, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous répondrai directement en commentaire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et à la partager. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.